Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller droit au but. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé hier, en fait. Aya Robert qui a fait sa vidéo, elle était énervée, elle a commencé à crier sur tout le monde. Enfin, pas sur tout le monde, sur Yaka Yaka en principal. Mais bon, voilà, Leslie, c'est que toi, la famille se fait frapper. C'est-à-dire que tu as bouche aussi, hein? C'est-à-dire que si tu veux regarder Leslie 5 étoiles là, sa bouche là, tu as frotté ça sur le boudron. En fait, parce que c'est une nicheuse au fait à la base. Enfin bref, moi aujourd'hui, je vais m'attarder au fait sur le cas de Aya Robert. Parce que je pense qu'il y a un truc qui ne va pas clairement en fait. Moi, je ne comprends pas. Tu prends ton argent, tu luttes, tu arrives en Europe. C'est-à-dire que c'est pourquoi les gens vont à l'aventure là. Toi, j'ai l'impression que tu as oublié. Tu as oublié pourquoi tu es parti à l'aventure. Ou bien c'était pour aller juste prendre photo, ou bien te dire, c'est-à-dire que sur ton adresse, la marqué que tu es parti en France, c'est pour ça que tu es parti. Tu es constamment en problème avec les gens. Tu es constamment, c'est-à-dire que toi, si ce n'est pas la bagarre, c'est les problèmes. Si c'est pas, mais est-ce qu'on a dit que quand tu fais le blogging, il faut forcément avoir des problèmes juridiques avec les gens? Quand on va à l'aventure, il y a certains endroits là, ton nom ne doit jamais figurer là-bas. Si ce n'est pas pour déclarer papier de mariage ou bien de naissance, ton nom ne doit jamais figurer. La justice en fait partie. Le commissariat en fait partie. Il y a des endroits là, il faut éviter. Faut éviter. Mais toi, c'est là-bas, tu vas partir faire cotisation de nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois, toi, tu cotises papier là-bas. Il y a convocation de ci, convocation de ça. Ou bien quand tu partais là, il y a quoi? Les bénédictions là, tu n'as pas bien pris ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas être en Europe et puis autant avoir des problèmes avec les gens. Toi, tu sais que tu es en discours, hein, je ne sais pas, avec EK. C'est-à-dire que toi, tu charges les gens, tu finis de charger les gens et puis ça reste sur toi. Mais attends, quand tu charges les gens une fois, ça t'a tapé. Deux fois, ça t'a tapé. Toi-même, là, tu ne peux pas t'asseoir et puis te donner conseil. Parce qu'on dit que c'est conséquences qui donnent conseil. Mais si toi, conséquences ne te donnent pas conseil, là, moi, je ne sais pas c'est toi qui va te conseiller. Toi, tu ne sais pas que on ne peut pas donner l'adresse de quelqu'un à quelqu'un pour aller faire palabre. Toi, tu ne sais pas ça. Même si ces personnes-là t'ont fait ça, toi, tu ne pourrais pas porter plainte. Tu ne pourrais pas porter plainte quand ça s'est passé. Tu es resté là. Tu as voulu faire palabre parce que toi, tu veux qu'on mette sur ton nom là. Tu veux qu'on ajoute une personne qui fait palabre, une personne qui... Bon, une fois, tu as fait palabre. On a dit que oui, tu as raison. Mais deux fois, trois fois, quatre fois. Mais c'est quoi en fait? Ceux qui t'entourent là, tu ne vois pas leur situation, ça te donne pas envie d'avoir la même situation que. Tu peux pas rester tranquille une fois, tu peux pas. Il y a quoi? Quand on va en Europe là, c'est pour réussir sa vie. Ce n'est pas pour finir à chaque fois dans les tribunaux. Et puis le problème aussi, c'est que c'est pas pour dire que tu as les moyens de ta politique. Parce que tu te cherches, tu n'as pas encore le jet qu'il faut. Mais il faut rester tranquille. Faut rester tranquille. Le monde où on est là, chacun se cherche. C'est-à-dire que pour des filles de notre âge là, actuellement là, chacun se cherche. Qui a envie de prendre son argent pour partir payer avocat? Qui? C'est pas parce que ce que tu vois, ils créent pas les problèmes aux gens là. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas payer. Mais quand tu vois que l'argent que tu as économisé là, c'est pour construire ta maison. C'est pour peut-être nourrir la famille. C'est pourquoi. Mais il y a des choses que tu évites. Toi, tu comptes sur qui exactement? Ou bien parce que toi, c'est-à-dire que tu te dis que oui, il y a Makoso, il y a Yaka Yaka, il y a Lolo Beauté, il y a Perroquet, il y a tous ceux-là qui t'entourent. Donc c'est sûr, tu comptes pour aller faire par là. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quoi? Il y a quoi? Ou bien tu as assez de moyens pour tout le temps te retrouver au tribunal et puis assumer. Tu penses que l'orgueil là, ça fait quoi? Tu penses que l'orgueil là, ça fait quoi? Parce que là, tu es comme si tu étais orgueilleuse en fait. C'est-à-dire que tu veux montrer que c'est toi. Ah oui, je le montre. Mais y a... maintenant, derrière ça là, il y a quoi? Derrière ça là, il y a quoi? Derrière orgueil là, il y a quoi? On ne peut pas te parler parce que quand on ne peut pas, tu viens t'asseoir pour insulter les gens. Pourtant, il faut qu'on te dise la vérité. Tu es venu te chercher. Ce n'est pas pour dire que tu es venu par avion, c'est-à-dire que tu as payé cher. Tu es venu par bateau. C'est-à-dire que tu as risqué ta vie. Donc, tu risques ta vie là, c'est pour la mairie quoi. Tu vois pas, Yaka, il a son travail, il a ses papiers, il a sa vie, il a ses choses. Tu peux pas, ça te donne pas l'envie de venir comme ça aussi. Lolo Beauté qui est venu te trouver en France, tu la vois pas tout le temps en train de dire, maman, dans deux avions. Toi aussi, tu n'as pas envie de voyager comme ça aussi. Tu as envie de toujours rester là, créer des problèmes. Ça, c'est comportement de garçon. Ce que tu as là, c'est comportement de garçon, c'est pas femme qui fait ça. C'est garçon qui est tout le temps au commissariat, femme n'est pas comme ça. Pourquoi tu fais ça? Love Gugu là, les gens qui l'ont encouragé, quand Love Gugu est parti faire son petit séjour en prison là, qui est venu prendre sa place? Mais à un moment, réfléchissez.
À un moment, réfléchissez à ce qui est bon pour vous. C'est quoi? Parfois même tu es là, on vous regarde, on n'a pas envie de mettre la bouche dans vos choses, mais vous obligez les gens au fait. Mais à ton âge là, on doit venir te donner conseil encore? Toi tu sais pas que si la fille elle se lève, elle va frapper, ou il y a eu blessé, ou il y a eu, même on appelle la police. Tu ne sais pas que tu as eu problème comme ça? Mais pourquoi tu fais ça au fait? Et il y a quand tu vas venir crier sur lui? Je comprends pas. Ou bien quand toi-même tu t'assois, tu trouves que ce que tu fais là c'est bien? Je sais pas. Moi, je suis pas vos trucs là. Vraiment, c'est pas mon problème. Moi, j'ai mon. Tu vois, chacun fait son truc. Mais quand quelque chose n'est pas bon, faut s'arrêter pour dire, ma chérie, là, tu décodes. Ce qu'il a fait là, il n'a rien fait de mal. Au contraire, mais c'est ton Dieu qui est là. C'est ton Dieu qui est là. Problème, il t'a évité là, tu connais. Combien de temps tu crées un problème pour pouvoir résoudre ça dans la pose d'autrui? Tu comptes sur les Makoso, mais jusqu'à quand ils vont t'aider? Jusqu'à quand eux ils vont te charger, mais à un moment donné là, même si tu aimes quelqu'un, à un moment donné là, et si tu vois que la personne t'empêche d'avancer là, tu le laisses. Tu ne vas pas faire pour avoir, je ne sais pas si tu as tes papiers ou tu n'as pas, mais si tu n'as pas de papier, tu ne vas pas faire pour avoir ton papier, pour avoir ton petit travail, te lever matin, aller au travail. Nous, tout ce que tu vois sur internet là, hein, les jeunes filles d'aujourd'hui que tu nous vois là, on se réveille à 5h30, on va travailler jusqu'à, et puis c'est quand on finit de travailler ou bien à notre moment de pause, on vient s'asseoir pour faire vidéo. Parce que faut être bête pour venir te lever, tu fais rien dans ta vie, et puis tu prends caméra, tu places, tu attends que Facebook paye l'argent. Combien même? 500 000, 600 000, 700 000 là, c'est ça, ça c'est quoi? Ce que tu sais faire de tes 10 doigts là, c'est ce qui compte. Parce que Facebook là, un jour Mac peut fermer, maintenant 500 000, 600 000, 700 000 là, tu vas avoir ça ou ça? On se débrouille nous tous, parce que dans 10 ans là, faut que tu fasses un bilan de ta vie. Mais il y a quoi? On doit tout vous dire. Quand tu sais d'où tu viens là, faut savoir où tu t'en vas. À un moment donné là, il joue sous souman.